Allez, on y retourne, on est dans le secteur 3. On a 23 d'essence, il reste 6 missiles. On a des armes de fou, on a beaucoup d'argent. On pourrait mettre le Albert Bibb en ligne. Oh, il y a un magasin. On va pas mettre le Albert Bibb de suite en ligne. On va grid d'abord. Oh, il est mal foutu le secteur. Oh, dégueulasse le secteur. Si je fais ça, ça, ça. Comment je m'embrouille? Oh, ça va pas être très très rentable, mais allez. On fait le nœud coulant. La manœuvre du nœud coulant. Waouh. Alors, la balise semble servir de trafic local, de place de meeting, voilà. Donc, on vous propose des prix pour acheter des gars. Ouais, mais non, mais on est déjà plein, hein. Dommage, on fera pas plus d'argent. Bon, allez, direction le magasin. Oh, il y a des armes. Oui, j'ai plein d'argent. Hull laser, 15 secondes. Heavy Mark Laser 1, 9 secondes. Ça fait 2 de dégâts en un tir. Et là, ça... Oh, putain, ça demande 3 d'énergie. Et ça, ça demande que 1. Et le Heavy Laser, là, lui, il peut faire... de la brèche, du feu, il peut stunner. Oh, il est bien le heavy laser. Ah, je pourrais faire un téléporteur, envoyer mes gars. Sur les mecs adverses. Alors, le healing bomb, je vais la revendre. Hein. Ça se revend 20. Allez hop, je revends. Putain, il n'y a pas de long range scanner. Déçu. Faut que je répare. Ça coûte que 2 encore. C'est cool. Pas besoin d'essence. Ça tire 3 fois. En 15 secondes. Et moi j'ai quoi? Tire 3 fois en 12 secondes. C'est... Ouais. Là ça coûte 3 et moi ça coûte 2. Le heavy laser, hein. Je rajoute un laser de plus. Ouais, je sais pas. Il tire qu'une fois, quoi. Est-ce qu'il y a un autre magasin? Non. Putain, il y a un appel de détresse. Oh, quelle embrouille. Je voulais aller vers le haut. Sinon, je peux up. +160 +80 240. Qu'est-ce que je fais? Je mets en ligne le Albert Bibb. Ou alors je le revends. Et je mets en ligne le Hull Laser 2. 15 secondes. Ouais, le Hull Smasher Laser Mark 2, il est bof bof aussi. Hein. J'achète rien, hein, je mets en ligne mes armes. Je vais attendre avant de mettre en ligne. Je vais... Ah la vache. Je vais être obligé, hein. Si je veux prendre l'appel de détresse.
Salut Zuppo. Merci pour ton host. Allez, vas-y, l'appel de détresse. Tant pis, je me fous dans la merde. Oui. Ah, on vous aide avec nos boucliers. Un de dégâts, ok. Ah, mais on récupère 6 d'essence. Alors. Oh, merci, Vuki. Et salut, Hypnosis. Il s'est paré de ce boulet. Moi non plus, hein. Et il est chauve en plus. Ah, bah, deux points communs avec moi. Salut, Souneliel. J'avoue. Eh ben, bienvenue dans le run incroyable à travers la galaxie pour essayer de sauver le monde. On est chez Manabéric. Ouais, si tu veux. Donc, il y a le feu. Il y a le feu dans les caméras. Ouais, merci les gars. C'est cool. C'est bon, il n'y a plus le feu. Merci pour le follow. La bête s'éveille. Merci Speedo. La bête s'éveille. Ouais, ben. Et merci camarade Strabisme. Allez. Hop, méga. Aux soins. Voilà, on coupe un peu les moteurs, on met dans la medbay. Ah, si vous connaissez pas ce jeu, vous allez voir, il est génial, hein. FTL, Faster Than Light. On doit traverser la galaxie pour sauver la base de la Fédération, parce qu'on appartient à la Fédération. Qui est un peu dans un space opéra, ce serait l'équivalent d'un empire intergalactique. Et on affronte des rebelles. Et les rebelles ont construit un super vaisseau pour détruire notre base. Donc notre mission, on nous a donné en début de secteur des données vitales qui nous permettront d'affronter le super vaisseau pour l'empêcher de détruire notre base. Oui, merci Zuppo pour le follow. Hypnotis. Les follows s'enchaînent. Merci les gars. Ah, Evoki a fait un live dessus. Ah, cool. Eh ben nickel. On est au secteur 3. Et on est dans... on est dans la misère, dans la merde. Alors, on a 239 de scraps par contre. Bon. On va mettre en ligne le Albert Beam. Voilà, il reste 4 de scraps. Voilà, j'ai plus d'argent. Et je suis poursuivi par la flotte. Alors, 2 d'essence contre une partie de drone, ça ne m'intéresse pas. Allez, on essaie de s'échapper. Du fuel. Non, mais j'ai pas d'argent, laissez-moi. Oui, et je sors, je sors. T'arrives bientôt au boss? Je suis presque à la moitié du run. Ah, excellent. Et vu qu'il est un pro, il fait des runs jusqu'à 3 h du mat. Alors, après un petit temps, vous recevez un message
Hey, salut, on espère que ça va bien de votre côté. On cherche quelqu'un pour nous escorter jusqu'au système suivant. Cette région est un peu dangereuse et notre vaisseau n'est pas très bien armé. Ils vont me donner 2 essences si j'accepte. Allez, oui. Et voilà. Ah super, bon bah on se retrouve un peu plus loin. Voilà. J'ai une quête marquée sur la map. Parfait. Pas d'argent, mais de l'essence. Alors la quête, forcément, elle est après l'exit. On va voir si j'ai le temps. Je fais le fifou là. Alors, vous avez sauté dans ce qui semble être voilà, un échange brutal entre plusieurs vaisseaux. Il y a des carcasses partout. Il y a des vaisseaux qui errent. Bon, c'est un cimetière, voilà. On va enquêter sur le champ de bataille. Alors, quand vous approchez, bien sûr, des débris, vous voyez un vaisseau hostile. Qui vous dit vous avez violé l'espace Zoltan? Nous ouvrons le feu. Aïe. Il a deux boucliers plus son bouclier Zoltan de merde. Albert Beam. Albert Beam. Ah oui, alors là il y a. C'est tricky l'Albert Beam. Est-ce qu'on peut toucher plein de salles en même temps? Bien sûr. Alors attendez. Là j'en touche une, deux, trois. Bon allez, trois, ça ira. Quatre peut-être même. On verra. Ah bah il y a les armes quand même. Ouais, normalement je les shut down. Aïe, 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 aïe. Oh là là, ils en mettent plein hein, le fion, hein. Alors, il a deux boucliers, donc ça sert à rien de m'énerver sur l'Albert Beam. On va attendre. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais. Alors, attends. Où est-ce qu'on en est? Comment je m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Là. Là, il a plus de bouclier, là. Ah, c'est raté. Là, je touche, là. Ouais, je touche un peu. Ah, ça commence à devenir léger, deux boucliers seulement. Aïe. Oh, bon, j'en ai pris plein le cul, mais c'est bon. Ça tient, je suis dans le jaune. Ouais, bon. Le ship explose. Des thunes, de l'essence, des missiles. Je vais recommencer à tirer un peu l'Artemis, moi. Un nouveau magasin. Ah. Forcément, on va faire le Kekos. Oh, ça passera jamais, quoi. Bon, bah, on va aller par là pour assurer, hein. Oui, l'NJ s'appelle Nono en référence à Nono, le petit robot, absolument. Il a été nommé par le spécialiste du Texas, Brezoul, qui est peut-être encore sur le chat. Vous arrivez, ouais, à la prochaine balise. Oula. Tiens. Un petit vaisseau rebelle vous remarque. Il a l'air plutôt taillé pour le transport que pour le combat, mais et il ne semble pas vouloir vous engager. Allez, on va le braquer. Ouais. On va sécuriser ton cargo. Oh, il veut s'enfuir. Oh non, comment ça, il veut s'enfuir? Oh, il faut que je la joue fine. Je vais mettre là. Puis on va attendre pour le reste. Ah, il veut s'enfuir. Ah, je devrais peut-être pas viser. Oh, si, je vise, allez. J'ai confiance. Ah, bah tiens. Bravo. C'est pas ce que je voulais faire, mais. Aïe. La mettre baie. Ça, c'est pas grave. Ça, on va mettre ça comme ça. Et ça, on va mettre ça comme ça. Là.
Voilà, bien dégueulasse. Le laser qui découpe. Eh ben, on n'a presque pas pris de dégâts. Bon, on a une medbay qui est en PLS, mais sinon ça va. Allez, réparer. Ah, t'as un meeting? Bon, merci, à plus tard. C'est lui, Hypnotis. J'ai du monde à soigner, j'ai Bredzoul à soigner, ouais. Hop, on le soigne vite fait. C'est bon. On déconnecte la medbay, on remet full dans les moteurs. Et on y retourne. Donc là, je fais la quête. Alors, vous augmentez mon réacteur d'énergie de 1. Pour nous remercier de vous avoir escorté. Super, merci les gars. Bon, bah ça a économisé, ça c'est très bien ça. Allez hop, direction le prochain. Direction le prochain secteur, hein. On part vers le secteur 4. Content, content de ce secteur. Ah bah, il était temps en plus, hein. Juste devant la limite, quoi. Le pif. Engie World ou Pirate? Ah. Engie, j'essaie de trouver des magasins et Pirate, je fais full combat et je me fais plein de thunes, mais je peux crever. On va faire plutôt Engie alors. Hein. Petit bras. On va faire petit bras. Vous arrivez dans l'espace Engie. La chute de la Fédération a amené des temps difficiles à ces formes de vie robotique. Mais habituellement, ils ont besoin d'aide. Bon, bah on va voir. Putain, l'exit est très très dans l'angle. Oh, il n'y a qu'une sortie possible. D'accord. Ici. Ok. Allez, on va partir vers le bas cette fois. Ouais, on va faire le fifou. C'est parti. On me propose du fuel à nouveau, mais j'en ai pas besoin. Je vais prendre un de fuel quand même pour me permettre d'avoir 42 de scraps. Toujours important d'avoir 42 de scraps. Et là, le magasin. Ah, je vais jusqu'au distress, je fais toute la boucle. Je remonte jusqu'au magasin. La flotte rebelle n'a rien vu. Du génie. Alors, un vaisseau sans forme de vie se trouve près d'un champ d'astéroïdes dense et semble envoyer un appel de détresse. Voulez-vous enquêter? Ça pourrait être dangereux. Ouais, j'enquête. Alors, vous voyez. Oh là là. Les restes d'un ship, d'un vaisseau de cristal et d'ice, fait de cristal et de glace. Voilà, vous envoyez votre équipage explorer à bord, mais il n'y a personne, il ne se passe rien. Vous trouvez une stasis. Alors, je peux soit démonter une arme que je trouve dans le vaisseau, soit une stase, une chambre de stase. Ça, c'est pour la quête du vaisseau de cristal. Je vais prendre plutôt le scraps et l'arme que la chambre de stase. Moi, je veux juste atteindre le secteur 8 en même temps. Donc, je vais ion chargeur. Voilà, on récolte un ion chargeur et 19 de scraps. Voilà, c'est cool. Alors, il fait quoi le ion charge? Il tire toutes les 6 secondes. Il requiert 2. Eh bien, toutes les 6 secondes, genre, il peut tirer en même temps que le Burst Laser 2. Ah, oh, c'est bien. Pour 2. Oh, ça vaut le coup d'être mis en ligne, ça.
pas mal, hein, le charge-ion là. Ah, Brizzolé là. Il a remarqué mon drop, oui. Alors, oui. Pour augmenter de 2. Oh là là, ça serait ma dernière arme. Ce serait pas mal comme dernière arme, par contre. Ah, la flotte arrive déjà, quoi. Je suis en retard. Hein. Alors, des satellites NG flottent près d'une planète. Espèces chimiques. Bon, y a rien. Oh, le saut de mort. Alors, un vaisseau NG avec dans le vaccin. Il vous voit armé jusqu'aux dents et il fait immédiatement le sujet, le but de notre étude, c'est le bien-être, hein, et nos motivations sont la survie, hein. On peut vous transférer des biens si vous acceptez. Donc on peut dire qu'on est amis, mais là on gagne rien, ou alors on peut dire oui, on accepte votre reddition. Voilà, merci. Donc indécence, 2 missiles et 44. Ah ouais, on les a dépouillés, les NJ. Merci les NJ. Ah, les affaires reprennent fort là. Hein. Juste avant le magasin. Alors là, ça serait quand même. Ouais, ça serait greedy quand même. Hein. Ça serait greedy, on va le faire. On va le faire, c'est greedy. Vous arrivez près d'une balise de détresse où il y a une petite ceinture d'astéroïdes. Vous trouvez un vaisseau avec des marques pirates qui a été crashé entre deux larges astéroïdes. Ils devaient essayer de miner illégalement, mais pas avec le bon équipement. Oh, on peut découper prudemment avec notre beam, Albert Beam. Voilà, on va découper proprement. Voilà, on récupère 2 d'essence, 33 de scraps, c'est le gavage. Mais là, est-ce que je vais avoir le temps? Non. Mais il y a un autre store. Alors ça va. Il y a le temps ou pas le... Non, il n'y a pas le temps là. Jamais j'ai le temps là. Je tente, je le tente. On va voir, on va voir. Alors vous arrivez sur une planète verte. D'accord, avec des grandes plaines. D'accord. Des cascades. Oui, cet endroit a peu d'intérêt pour la race NJ. Hein. Très bien. Eh bien si, il y avait le temps. Bon, on fait n'importe quoi, on y va alors. Il y a large le temps. Camarade Strabisme l'avait vu. Alors, un message arrive. Alors, vos ressources, à nous. Notre arme, pour vous. Vous levez vos boucliers et vous réalisez que c'est un marchand NJ qui essaye de faire du marchandage. Bon. C'est un magasin. Ah bah oui. C'est exactement là où on devait arriver. Alors, ça coûte 3 maintenant à réparer. Oh, il y a man control. Ça, c'est cool, ça, man control. J'achète. On répare. On s'en fout. Main contrôle. Tous les jours. À quel jeu tu joues généralement? Bah, le lundi, je fais Westland 2. Le mercredi, donc, je fais du FTL. Le jeudi matin, je fais une matinale qui s'appelle. Enfin, avec Black Devil, on fait Divinity Original Sin 2. On est en train de le terminer d'ailleurs en ce moment. Et le vendredi soir, je fais une émission où je dessine et où je discute avec le chat en dessinant. Voilà. Et peut-être que le samedi soir, je vais essayer de mettre en place une partie de jeu de rôle avec une communauté qui ne connaît pas trop le jeu de rôle. Voilà. Et donc, je le streamerai si. Mais peut-être
pas sur ma chaîne perso, je le streamerai sur une autre chaîne. Si ça vous intéresse, je vous filerai les liens. Ouais, ça fait un programme bien rempli, ouais, j'avoue. Oui, du JDR, comme autour d'une table, ouais. Ah. Ah, je vais peut-être pas pouvoir avoir le deuxième magasin. C'est pas grave, hein. J'ai plus beaucoup de sous. Alors, tu comptes face caméra? Non, je le fais pas face caméra, non. Non, non, je le fais en vocal sur Roll20. Je vais faire ça avec des gens de la communauté sur laquelle je vais streamer si ça se met en place. Et ça a l'air de se mettre en place. J'ai trouvé le troisième joueur, peut-être. C'est plus ou moins sûr. Ça risque d'être en place pour dans une dizaine de jours à peu près. Et toi, Evuki, tu comptes faire un face cam? Bonne question. Allez, on essaie de s'échapper. Alors, vous faites face à un vaisseau Mantis avant qu'il ne vous voie. On peut attaquer le ship, le vaisseau, ou alors on peut essayer de rester caché. Mais il a qu'un bouclier, on l'attaque. Mais il a un TP. Très bien. On va viser les armes. Ah, ça c'est l'Albert Beam. On va viser les armes. Les boucliers. Et c'est parti. Alors, il atterrit où lui? Il est où? Il est là. Action. J'aurais dû augmenter les portes. Ah là là, si je le lâche de là. Non, non, je vais le laisser là. Nono, tu restes là. Nono, tu restes là. Hein. Ok. Et Manéric, tu vas y aller. Ça touche partout. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai plus de caméra. Pourquoi? Quelle embrouille. Ok, c'est réglé. Tac. Ok. Ok. Tu refais ça avec Black Devil ou c'est un truc un peu plus pro? Non, ça sera moins pro qu'avec Black Devil. Et s'il n'y aura pas de générique, enfin, ça sera fait méthode amatrice comme je l'ai fait avec toi, par exemple, Brizul, hein. Et comme je le fais avec tous les groupes, quoi. Et non, ça sera pas avec Black Devil, ça sera avec une communauté qui est plutôt dans le gaming, qui s'appelle Jaya France. Qui passe assez souvent faire un petit coucou sur le chat. Alors en plus, moi je le fais pas vraiment autour d'une table. Mon jeu de rôle, je le fais. Par Roll20, par un logiciel hein, qui permet de simuler une table virtuelle quoi. Mais c'est pas filmer une table comme pourrait faire au gaming par exemple avec Nokepi quoi. Alors. Ah bah si. Ça passe. Est-ce qu'on veut aller au deuxième magasin? Oui. Oui, on veut aller voir. Ah, on peut réparer des dégâts. Oh, à pas cher. Non.
On garde notre argent, on va au deuxième magasin. Alors. La déception. La déception du magasin. J'aurais bien voulu remplacer mon Artemis. Tant pis. On est reparti. Oh! Un petit vaisseau de recherche NG essaye d'échapper à un vaisseau Mantis. Vous bougez, vous manœuvrez pour engager, mais après un rapide scan de votre vaisseau, les Mantis préfèrent faire retraite. Les NG vous offrent alors un schéma de drone et vous remercient pour votre arrivée dans les bons timings. Bah super. C'est cool que t'aies trouvé une autre communauté pour pouvoir continuer tes podcasts. Mais c'est pas, enfin c'était compliqué pour trouver trois joueurs hein, dans leur communauté. Il n'y a pas grand monde qui est intéressé par par l'activité de faire du JDR. Hein. Ou ils connaissent pas, ou c'est pas leur délire quoi. Donc j'ai galéré quand même pour trouver trois joueurs. Alors sur les trois joueurs, il n'y en aurait que deux qui feraient partie de leur communauté. Hein. C'est pour dire, j'ai pas eu beaucoup de retours de gens extrêmement curieux. Mais bon, après moi, je sais bien que ma visibilité de stream, elle est minuscule, donc je comprends aussi que c'est le genre de message qui a pu passer inaperçu. Bon, après j'ai utilisé le forum aussi, donc j'ai pas pu directement non plus proposer ça à chaque membre de leur communauté quoi. En attendant que le groupe soit prêt et voilà que la table soit streamable, je fais du Guild Wars 2 le samedi soir pour faire un petit peu de monde contre monde tranquillement. Bon. Non, là c'est plus le moment d'aller à l'appel de détresse, on va quitter ce secteur, passer au suivant. Alors, ah, excellent. Alors, vous traversez une large station de d'échange. Pourtant, lorsque vous approchez, les vaisseaux de la région lancent un message d'alerte et indiquent que nous ne sommes pas assez... Alors, nous ne sommes pas des sympathisants de la Fédération. Voilà, ceux qui s'opposent aux rebelles doivent être punis. Ah, je peux changer l'annonce avec Mind Control, c'est ce que je vais faire. Petit choix bleu. Alors, vous localisez la source de l'annonce et vous... Vous arrivez à convaincre le speaker de changer le message. Et ensuite, vous avez juste le temps... de tomber sur un magasin. Avec Cloaking. Avec Hull Laser. Coup de 2, il tire deux fois. Il est bien. Hull Laser 1 et Hull Laser 2. Ah non, il est trop cher. Alors, putain, c'est la deuxième fois qu'on tombe dessus. Le Hull Laser 1, par contre, bien. À la place de... du Yon Charger. Oh, le Yon, il est bien aussi. Il est super bien avec le Albert Beam, en fait, le Yon. Non, on va rien acheter. On verra bien. En tout cas, c'est stylé que t'aies une nouvelle table de jeu de JDR streamable. Bah, c'est pas... C'est l'histoire que je joue, que je compte, qui est streamable, en fait. Hein. Yeah. Alors, secteur abandonné, oh là là, ou les Zoltans. Oh. Bah, la peste ou le choléra. Euh...
Oui, c'est. En tout cas, c'est cool que j'arrive encore à trouver des gens qui veulent bien tester le JDR en stream en plus. Et en plus, c'est le samedi soir, donc c'était assez compliqué à mettre en place pour trouver déjà les gens dispo, quoi. Secteur suivant. Les Zoltans. Alors, les Zoltans patrouillent leurs frontières, mais vous laissent passer quand vous montrez votre identification de la Fédération. Voilà, vous espérez que ils ne seront pas aussi courtois avec les rebelles. Ok. Oh, le secteur, quoi. Alors, les nébuleuses peuvent être chopées. Bon, ça va être chaud, hein, pour les choper. Bon, de toute manière, pas le choix. Il n'y a qu'une seule route. Allez, allez, on tombe sur des Zoltans stationnés près d'une balise qui ont l'air heureux de vous recevoir. Alors que vous leur répondez de manière formelle, à votre tour, vous détectez oula, une embrouille et voilà, vous n'avez pas les détails. Ça bourrine ou pas? Ça bourrine pas. Non, ils sont en train de s'embrouiller entre eux là. Direct un magasin. Et c'est boum! Salut Yojimbo! Au moment où vous arrivez, au signal de détresse, des tirs putain, passent à côté de votre vaisseau. C'est un piège! Il a trois boucliers! Comment ça? Comment ça il a trois boucliers et je n'ai pas continué à mettre dans esquive? C'est la misère. Oh là là. Et drone et tout. Oh, ça m'envahit, machin. Oh là là. C'est le bordel. Fonce. Oh, il a fait une brèche. Oh, il fait une brèche dans l'oxygène. Non, arrête. Arrête. Je peux tirer? Ok. Bon, bah, je suis obligé de viser les boucliers, hein. Ouais. Là, je peux faire des dégâts. Ouais, ça fait des dégâts. C'est pas mal. Alors, c'est la merde. C'est la merde, on est abordé. Oui, Ace. Hop. On continue à bourrer les boucliers. Pourquoi on ne m'entend pas? Comment ça? Tu t'es mute encore une fois, Manny. Ah non, mais là, c'est tendu du slip, là. Je serre les fesses, là. Alors, est-ce que vous vous rendez? Écoute, 4 d'essence, 3 missiles, 26 de scraps, oui. Bah parfait, réparez-moi ça. Oh. Oh, le piège. Bon, il est peut-être temps de monter à 3 boucliers, hein. Ou alors de mettre le ion à 3. J'ai 120, j'ai pas assez en plus. Il est temps, j'ai pas les thunes, quoi. Qu'est-ce qui explose encore partout là? C'est bon?
On est bon? Alors. Putain, le distress de ses morts. Bon, j'ai 120. Ça, c'est pré-igniter. Oh, j'ai toute la map! Ah, ça, c'est cool. Ah, la baise, hein, par là. Bon. Faut pas être trop gourmand, mais on va quand même passer au magasin, vite fait. On a 18 d'essence, on est large. Alors, c'est un magasin Mantis. Le laser 1. Putain, c'est toujours les mêmes choses qu'ils me proposent. On a des trucs à vendre. Oui. Hacking, ouais. Pourquoi pas hacking, ouais. Je vais vendre mon drone. Putain, il n'y a pas... Il n'y a pas cloaking. Putain, mais ouais, t'es sûrement quelqu'un de très très important, Yojimbo. Si c'est Olivier d'Assurance Santé qui t'appelle, ça c'est sûr. Hein. Bon alors, ça j'ai, non. Moi j'ai le Young Charger, qui est encore mieux. Je pourrais le mettre en ligne, tiens. Ou alors je mets mon troisième bouclier en ligne. 100, voilà, 150 pour le mettre en ligne. Non, 160. Dommage. C'est quoi après? Après c'est là, petit combat. Et là, on sait pas. Allez hop, on monte à 34 d'esquive. C'est la fête. Voilà, on est admis dans l'espace Zoltan, c'est magnifique, mais il ne se passe rien. Ah. Là, il y a un combat possible. On a la map. Et oui. C'est un message automatique. Hein. Résister ne vous apportera rien. Préparez-vous à mourir. D'accord, donc c'est un vaisseau rebelle. Piloté par une IA. Avec trois boucliers qui me hack. Qui a trois armes. Donc ça, j'en ai pas besoin. C'est de la merde. Alors ça me hack quoi? Les portes. Bon ça va. Je peux pas TP. Donc bon. Ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde. Est-ce que je touche? Oui. Ah j'ai visé les armes. Putain mais quel... Boulet! Oh le boulet! C'était les boucliers bien sûr. Oh, j'avais pas vu l'Albert Beam. Les boucliers, bien sûr. Voilà. Parfait. Donc là, ça touche tout. Parfait. Et là... Voilà, on découpe. Bah, nickel. On enlève l'autofire. Ici, on revise les boucliers. C'est bon. C'est bon, c'est géré. Voilà, le cochon, quoi, avec son Albert Beam. Ah, 2 d'essence. 45 de scraps. Parfait. Oh, les deux petites batailles, là. Ah, dommage qu'on puisse pas choper. Vas-y, je tente les deux petites batailles en bas là. Alors vos senseurs ont trouvé un vaisseau de réfugiés qui dérive dans le système. Bah alors les gars.
Oh, c'était un piège! C'était des Zoltan! Ah non, même pas. C'est pas un piège. Un vaisseau Zoltan arrive dans le système, il vous voit, il clame que les réfugiés sont des criminels et vous accuse de les escorter. C'est des fugitifs. Il coupe les communications avant d'entendre n'importe quelle réponse et ses armes sont sur vous. Génial. Donc là, on vise les boucliers. Alors, comment on va faire ça? Ah, comme ça, ça peut être pas mal. Est-ce que je touche tout là? Je pense que oui. Ici. Voilà. Là, je touche tout. C'est parti. Alors, ça c'est embêtant. Donc Nono le robot, le petit robot va réparer. C'est bon, j'ai fait sauter son bouclier Zoltan. Voilà, j'envoie du lance-missile, voilà, dans ses boucliers, c'est parfait. Ah. Ouf. J'ai plus de... Qu'est-ce qui se passe là? Ah putain. C'est esquive. Vas-y. Alors là, on peut tout découper. Hop. Parfait. Allez, le Zoltan Ship, il nous donne beaucoup. Oh là là, les réfugiés nous donnent encore plus. Ça valait le coup de prendre un peu cher. Deux boucliers, ça commence à être chaud. Hein. Je vais passer à trois. Là, il y a deux combats. Je vais me faire des sous derrière. Allez, on tente. Encore un Zoltan Ship qui... ouais, bon, il m'attaque. Super, super. C'est la même configuration que tout à l'heure. Hop. Cette fois, j'ai trois boucliers, par contre. Mais il a un flak. Mais quel enfoiré. Enfin, le jeu. J'esquive, j'ai 40%. Oh. Quel, sans problème. Voilà, il n'a plus de super bouclier. Aïe, ça tape dans le fion. Alors, c'est mes armes qui prennent. L'Artemis a tiré. Le boulot est fait. Feu. Oh là là là, ça rate. Attendez, attendez, ne réparez pas. Tiens, battez-vous entre vous. Voilà. C'est parfait. C'est prêt, le Albert Beam est prêt. Allez, il faut que ça tire là. Ok. Hop. Allez. Voilà. Très bien. Le vaisseau explose et vous donne beaucoup. Mais j'ai pris cher. Malgré mon troisième bouclier, quoi. Combat suivant. Alors, malgré les précautions, les pirates sont en train de... d'harceler une colonie Zoltan proche du secteur. Bon, on attaque les pirates. Hein. Oh, ils vont me TP. Tiens.
Ah ouais, ils m'ont TP un mec. Hop. Oh bah. Ça se bat dans les boucliers quoi. Ok. Ah. Je l'ai pas fait dans le bon timing. Parce qu'il y a l'auto-fire. C'est pas grave. Voilà. Alors, on va taper où? On va taper là-dedans. Voilà, comme ça. Voilà. Non. Burst laser, toujours dans les boucliers. Ah, mon... Ah non. On se rend, on se rend. Non, ce n'est pas assez. T'as plus de bouclier, toi? Tu n'as plus de bouclier. Voilà. Attends, je referme les portes. Le vaisseau explose. Et c'est gagné. Hop. Bravo le mind control. Ok, tout le monde est soigné sauf Bredzoul. Hop. C'est good. Vous recevez une requête. Tous nos vaisseaux militaires ont été détruits ou endommagés durant la rébellion. Maintenant, voilà, nous avons reports of Mantis war camps. Ah. Néanmoins, nous avons des rapports sur des camps de guerre Mantis à quelques sauts d'ici. Pouvez-vous nous aider? Oui, vas-y, montre. Oh, bah 48 de scraps, il va me mettre un marqueur. On sait pas où c'est. Oh, ça va être juste, ça? Non, c'est pas, ça passe large. Allez, c'est parti. Manéric, il stresse. Il lit pas du tout ce que j'écris. Mais si! J'ai bien vu, Yojimbo, que tu discutais avec Evuki, en fait, du fait que le jeu, tu le trouvais trop prévisible. Parce que soit les débuts de run sont snowball, soit c'est pas possible de reprendre le run. Mais, enfin, je suis plutôt de l'avis d'Evuki que un run peut être rattrapé par un bon choix ou par un coup de moule, hein, et qu'un bon run peut aussi être complètement wipe à cause d'une de la rencontre de trop quoi. Après c'est vrai que il y a des builds qu'on préfère et voilà, ceux qui optimisent, ils ont souvent des builds un peu intouchables, hein, invulnérables. Et c'est moins marrant quand ton vaisseau ne prend est hors de portée des ennemis, quoi. J'avoue. Mais bon, faut vraiment, vraiment cramper dessus et connaître toutes les armes par cœur. Là, je tombe sur un vaisseau de repérage rebelle automatisé qui a 3 boucliers. Je vois, je dirais qu'il a un lance-missile et un laser. Et il va m'agresser, quoi. Donc, et en plus, il se barre. Il prépare son FTL et il a double drone. C'est n'importe quoi. Oh
On va l'empêcher de se barrer. Si on peut. C'est parti. J'ai 12 missiles. Ah, c'est avant d'affronter le boss. Ah ouais, mais il y a au moins 2 ou 3 heures. Ok, il se barre plus. Ça, c'est cool. Alors là, il faudrait un miracle. Il faudrait que tout touche. Le miracle a eu lieu. Il est chiant avec son lance-missile. Il est chiant. Oh, j'esquive. Ok, il l'a viré. Ok, il n'a plus d'armes. Il a toujours son bouclier. On va lui virer le bouclier. Je peux toucher les trois salles là ? Oui. Eh ben ça touche. Il faut que tout touche. Oui, voilà, il fallait que tout touche. Et c'est tout a touché. Bon, bah très bien. 21 de scraps, 2 d'essence, 1 missile. Bon, c'est cool. J'en ai utilisé 2, j'en récupère 1 sur les 2. Mais le combat était pas facile. Putain, avec 3 boucliers, je rame complètement. Mais il y a un magasin. Très bientôt. Très bientôt, il y a un magasin. Oh, yeah, 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 yeah. Alors, vous trouvez un vaisseau rock qui a trouvé refuge à la police frontière Zoltan. Il ne semble pas préparé à nous donner des coordonnées. Et ils ouvrent le feu. Oula. Pourquoi tant de haine? Oh, t'as que 2 boucliers, toi. Allez. Oh, dans les boucliers, ils mettent ça. Quel enfoiré. Et je l'ai pas touché. Oh la vache. Oh la vache. Mais il tire violemment, hein. J'ai plus d'armes. Intéressant. Et il me met mais tellement cher. Faut esquiver là. Non, ça esquive plus. Bah là, là, je suis en train de mourir là. Voilà. Il avait que 2 boucliers, mais il va me tuer. Je n'ai plus d'oxygène depuis combien de temps? Allez, go. Il me reste 1 point de vie. Je jump. Je vais au store. Et je vais réparer. 1 point de vie. Alors, j'ai un succès par rapport à ça. Si je dépense 87, que je me répare tout, je débloque le succès. Je crois, hein. Alors, réparer pour être full santé alors que vous n'avez plus qu'1 point de vie. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas encore fait. C'est bon, tout le monde est en vie. L'oxygène, c'est revenu. Allez, hop, on se soigne. Oh, comment c'était chaud. Et Ace... C'était pratiquement la fin du run. C'était même pas pratiquement, c'était la fin du run puisque j'allais crever là. Donc là, je vais au store, je répare tout. Et oui, achievement réalisé. Il me reste 108. Et il y a Cloaking, bien sûr.
25, 19, 40, 32. Oh là là la vache. Ça me coûte 2 pour mettre en ligne 190. Je peux même pas là. Je pourrais virer l'Artemis. Je monte de 1. Il faudrait le pré-igniter. Bon. Go, direction. Secteur suivant. Alors, vous arrivez. Ah, on me propose de vendre mes drone parts. Bah, tiens, prends tout. Oui. Parfait. Et je change de secteur. Et là, maintenant, c'est la nébuleuse. J'ai 14 d'essence. C'est parti. C'est parti pour de la galère. De l'énergie en moins. Oh! Waouh! Cette nébuleuse. Magnifique. On est au secteur 6. Ok.